Anne, c'est dans le cadre de l'objectif corporatif 2018 que la ville de Granby et ses employés ont voulu démystifier l'administration municipale. Ici, nous sommes à l'Hôtel de Ville. Il y a plusieurs kiosques de tous les services municipaux qui expliquent aux citoyens quel est leur rôle, qu'est-ce qu'ils font exactement. Et on a également des gens qui accueillent nos citoyens également aux services de police, aux services incendie, à nos usines, à la cour municipale et aux services d'évaluation. En fait, tous les services municipaux ont été mis à contribution pour faire de ces deux journées des journées ouvertes, dans le fond, sur les citoyens. Ce que j'ai trouvé extraordinaire dans cette initiative-là, c'est que on découvre comment une ville fonctionne. Alors, on ouvre le robinet, l'eau coule, les rues se déneigent, les pompiers passent, mais on ne sait pas toute l'infrastructure, comment une ville fonctionne. Puis c'est ça que ça nous fait découvrir. Je trouve ça diguidou. Oui, oui, oui. Auparavant, on n'avait pas rien de ça. Aujourd'hui, notre monde, s'ils se demandent des questions, ils veulent avoir des informations, on va au poste de police, aux pompiers, puis on a des informations. Alors, que la ville continue comme ça, avoir ça, là. Tout m'a surprise, mais il y a beaucoup les gens qui s'occupent du système d'aqueduc. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as beaucoup aimé visiter? Moi, c'est la police. Les policiers, hein? On est allé voir... Oui. Et la petite auto. La petite auto des polices. Moi, c'était la piscine, de la construction de la piscine. Ici, mon préféré, je vais vous le dire tout de suite, c'est celui des services juridiques qui explique l'historique de la place des femmes en politique, surtout à Granby, et des jeunes en politique. Et toi, maman? Moi, la piscine aussi. Vous avez le droit de taper